Bonjour, comme aujourd'hui c'est le 11 novembre, j'avais envie de vous présenter quelques ouvrages d'histoire. Le premier vient d'avoir le prix Femina Essai, c'est publié chez Anna Moza, c'est un ouvrage de Christophe Granger qui va vous présenter l'histoire incroyable de Joseph Cabrisse, jeune baleinier parti de Bordeaux dans les années 1780, arrivé aux Marquises où sévit le cannibalisme, qui devient un chef de guerre, un guerrier redoutable, puis qui repart en Russie, puis qui arrive en France. C'est passionnant. Aux éditions Robert Laffont, dans la collection Bouquins, une compilation de l'œuvre, des œuvres principales d'une grande historienne française, Michèle Perrault, à lire. Dans la même collection, Benjamin Stora, ça s'appelle Une mémoire algérienne, et évidemment, il va être question de l'histoire de l'Algérie. C'est pareil, ça se lit vraiment, ça se lit tout seul. Un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, moi, le 209 rue Saint-Maur de Ruth Zilbermann, aux éditions du Seuil, où l'histoire d'un immeuble, en fait, dont on va suivre la vie des habitants sur une période assez longue, qui permet aussi de revisiter l'histoire du XXe siècle. Si on reste au XXe siècle, on peut aussi lire Le siècle des dictateurs d'Olivier Guèze. C'est pareil, une histoire du XXe siècle, revisitée à partir des grandes dictatures qui l'ont marqué. Les Téméraires de Bart van Loo, une très jolie couverture pour un ouvrage qui, chez Flammarion, nous raconte l'histoire de ce duché incroyable qui a été le duché de Bourgogne, un des duchés les plus puissants du Moyen Âge. Et puis enfin, pour terminer, un ouvrage de Raphaël Baquet, De Gaulle président, toujours chez Flammarion, 10 ans d'archives inédites de l'Élysée. Et elles sont vraiment inédites. Et puis voilà, c'est un jour assez particulier, ce 11 novembre. Moi, j'ai une pensée pour deux personnes. Pour mon arrière-grand-père, que j'ai pas connu, qui était directeur d'école et qui est mort dans les premiers jours de cette boucherie qui a été la guerre de 14. Et puis, hasard de la vie, c'est aussi l'anniversaire, ce 11 novembre, de mon petit frère Bertrand. Alors voilà, je profite de ce petit moment pour lui faire un gros bisou et lui dire ouais, bon anniversaire. Et puis, je lui montre deux petites choses. Voilà, une grosse pensée pour lui. Allez, à bientôt!